Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. Nous allons continuer dans notre quête des artefacts d'Edric. Cette fois-ci, on va en faire un peu différent. Parce que je pensais le faire du début jusqu'à la fin, mais malheureusement, je ne le ferai jusqu'à la fin. Pas du début, parce que je suis tombé sur quelque chose par hasard. Alors attendez, mon inventaire. Je suis tombé sur... Je pense qu'il doit être dedans. Là. Cristal de Méridia. Alors c'était vraiment par un pur hasard, mais sincèrement. Hein, j'étais en train de me gambader dans la prairie, pas très loin de Winterfell. Non, pas Winterfell. Oui, merde. Winterfell, c'est quoi? Ça, c'est Game of Thrones. De Blancherive, voilà. Si, c'est Winterfell. Non, c'est Blancherive. Bref. J'étais en train de travailler dans les environs là-bas, je suis tombé sur une ancienne truc de chasseur abandonné, et dans un coffre, magie, le cristal de Méridia. Alors, soit j'ai eu un bol monumental, ou soit c'est l'algorithme du jeu qui fait qu'au bout d'un moment, il spawn dans un coffre devant vous. Et non pas ce coffre-là spécifiquement par rapport au début du jeu, parce que sinon, je ne l'aurais jamais trouvé, parce que c'était vraiment un hasard et j'étais loin au milieu de nulle part. Bref, donc ceci... en attrapant le cristal, parce que je ne savais pas sur le moment c'était quoi, une voix m'est apparue, m'a parlé et m'a dit de lui rapporter ce fameux cristal. Donc je l'ai mis dans les quêtes. Voilà, la lumière de l'aube. Donc j'ai sélectionné que ce truc-là. Porter le cristal de Méridia au mont Primortis. Alors, voyons voir où est ce fameux mont Primortis. Non, il veut pas, M. Bon, il veut pas, tant pis. La carte, la voici. Ok, donc on est loin de tout. On n'a pas encore découvert ce lieu. Bon, on va retourner à Mortal. On peut pas non plus. Eh ben, on va aller à Mortal, et une fois qu'on aura découvert Mortal, on va aller chercher à Solitude, et une fois qu'on aura découvert Solitude, nous irons donc au mot Petacarasis. Voilà, moi je vous retrouve directement là-bas, en prenant normalement cette route-là, et je vous dis à tout de suite. Et pour montrer que je suis pas une baltringue, si on regarde bien, j'étais à peu près ici au niveau de Mortal, je suis passé par Mortal, par ici, par ici, par ici, et là j'en suis là. Hein? Donc j'ai tout fait à pied, aucun transport utilisé. Hein. Ce qui est d'abord, ce qui d'ailleurs était pas très subjonctif. Si, j'ai trouvé ça, j'ai pas testé encore. L'alchimie, c'est là. Découvert, ça. Résistance à la foudre. Ah, est-ce que j'ai œuf de fauvette? Restauration de santé. Voilà, je les ai tous découverts. C'est ça que c'est bon. Voilà, là on doit pas être trop loin maintenant. Ça doit être par là-dedans. Juste trouver le moyen d'y monter. Ah oui, ça a l'air d'être là-haut là. Oh oui, ça a l'air d'être ça là. Moi je le sens bien moi. Ah, il y a un campement tout près. Il doit être ici en contrebas. Ah, oh, si je me rappelle bien, je crois que c'est là qu'il y a une mission où on doit aller tuer des gens en contrebas. Enfin, c'est pas ça. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Solitude. Witheran. Winterfell, ouais, Winterfell, donc c'est bien. Ah, le pont du dragon. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est bien Winterfell qui est dans... Seigneur des Anneaux. Non, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Coucou, Méridia! Regarde mon temple en ruine, une nouvelle preuve de l'inconstance des mortels. S'ils ne m'aiment pas, comment mon amour peut-il les atteindre? Bah oui, hein.
Ah, si, ça y est, je me rappelle de ça. Rapporte-moi mon cristal. Tiens, cadeau. Que je puisse te guider vers ton destin. Il est temps que ma splendeur illumine à nouveau bord de ciel. Mais le symbole de ma force est enfoui dans les ruines de ce qui était autrefois mon temple majestueux, aujourd'hui en proie aux sombres agissements d'un vil profanateur. Solitude. Le nécromancien Malkoran profane pire encore. Merde. Je t'ai fait venir ici pour que tu défendes mon honneur. Tu vas entrer dans mon temple, reprendre mon attribut et vaincre le profanateur. D'accord. Les mortels l'appellent Obekla, car elle a été baignée dans une lumière sainte qui frappe. Tu vas entrer dans mon sanctuaire, vaincre Malkoran et reprendre. Une simple chandelle peut à elle seule chasser tout. Mon cristal attirera à coup sûr une âme valeureuse. Mais si tu es sage, tu entends. Va. L'épée doit être reprise. Malkoran a verrouillé les portes de l'intérieur. Mais il s'agit de mon temple, et c'est à ma volonté qu'il répond. Ah, elle va me lâcher dans le vide, là. Guide cette lumière dans mon temple, et ses portes s'ouvriront. C'est où Morrowind? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Diriger la lumière de Méridia dans le temple. Eh, hey, salut! Je dois faire un truc de ouf là. Il faut que je dirige sa lumière dans le temple. D'accord? Donc il faut que j'entre dans le temple. Ok, j'avais pas vu cette entrée. Bon, on va se mettre en mode beau gosse. On va. La recharger. Alors ça devrait le faire. Ouais. Il est beau en plus cet arc. Alors dégâts 20, 13, 17. Mais qu'est-ce que je fais avec ça moi? On s'en fout. Ça, j'allais garder pour le désenchanté. Allons-y! Non, c'est un temple. Je comprends rien, celle-là. Bon, jusque-là, tout va bien. L'aventure commence ici. Ouais! Ils l'ont profané, mais ils lui ont pas gueulé sa thune, manifestement. J'ai vu, c'est vide. Trop tard, malheureusement. Va faire tout noir. C'est à main noire. Ah là, je dis des conneries, j'en paye le prix. Bah oui. Too easy, man. Too easy. Alors, ça me va. What? What the fuck? J'ai pas tout compris ce que ça passait. Oh, mais ils sont terribles tous ces cadavres profanés. Je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont. Alors, je me rappelle plus de la mission exacte. Mais quelque chose me dit qu'ils vont revenir. Ils vont dire coucou, on est revivants.
ça ne me dit rien qui vaille. Exactement, j'allais dire la même chose. Alors, est-ce que ça leur fait quelque chose? Et du néanmoins. Voilà, moi je plante des flèches au sol, moi. Alors, reste fantomatique. Oh, cool! Mes flèches sont tellement balèzes et badass qu'elles restent plantées dans les... dans les fantômes. Oh, j'en ai plein à la maison. Ok, j'ai compris. Donc on va devoir faire passer ça dans chaque pièce. Salut, il y a de la thune. Ah d'accord, même les cadavres ils en ont plus que toi. Ok. Non. Il faut que je trouve un accès à côté. Ouais, je fais des sauts de ouf. Oh là là. J'ai un trou de la mémoire. Je ne sais même pas où je dois aller. Bon, réfléchissons un peu, mais réfléchissons un peu. Ouah, toi là-bas au fond. Ouah! Oh les mecs. Oh les mecs, ce que vous avez pris là. J'ai vu ma flèche quelque part. Bah ouais, une flèche, c'est une flèche. Hein. Épée impériale. Alors, a priori, j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Ouais. Arc de chasse, ils auraient dû le renommer en arc de merde. Je me demande pourquoi je la fais sneaky, je suis surpuissant. Monnaie, monnaie, monnaie. C'est la thune qu'ils ont, les corps profanés. C'est une honte. Ouais. Oh, arrête. Ah. Bah ouais mec. Je suis sûr que je peux récupérer ma flèche quelque part. Chercher, faut bien les chercher. Et l'autre là, il croit que je l'ai pas vu. Se mettre en mode si la famille. Fou. T'as le mec, il a une flèche quoi. Sauf s'il a Infinity. S'il a Infinity, c'est bon. Activation. Bon, y a personne. Allez, est-ce que j'ai un truc à désenchanter? Sinon, je le largue.
problème résolu. Si tu veux, tu sais quoi? Je suis à votre service. Tant mieux. Est-ce que t'as un arc sur toi? Sting? Sting? Sérieusement? Voilà. On va grossir un peu notre stock de flèches. Et regarde, hop, 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 voilà, j'ai trouvé où c'est. La prochaine sera la bonne. Oh. 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 Comment ça? Alors là. Alors là. Rien à foutre. Saut de l'ange. On va voir s'il y a du monde au balcon. Ah, la petite interlude. On dirait bien que la lumière est arrivée là-haut. Bonjour, toi. Ah, niveau expert, alors là... Là... J'ai pas de grandes prétentions, hein. J'essaye 1, 2, 3, mais si vraiment j'en pète trop... Ouais, non. Allez, on va jusque 15. On sent qu'il bouge, hein. On sent qu'il a envie de s'ouvrir. Oh. Oh oui, bah oui. Ah bah oui. Tiens, je vais te donner Sally. Encore là. Que puis-je faire pour vous, Tan? Quel est ce son de merde dans mon oreille? On voit pas son bouclier tout pourri, là? Qu'à cela ne tienne! Regarde ce que j'ai pour toi. Ouais, t'es sérieuse là? Passez devant, je vous suis. Je te donne un putain de bouclier, toi tu le prends pas, d'accord. Voilà, ce ciel est tout simplement somptueux. Allez, allez! Abdoula, Abdoula. Bien. Nous nous approchons du but. Allez vite. Pah, headshot. Bien, viens voir le docteur. Hein? Ou bâtard. Oh, tu prends cher. Oh, tu prends cher. Non, bon, c'est pas grave. Bien. Ouais, il faut que je l'active dans tous les cas. Donc il faut que j'arrive à monter.
là-bas. Eh, hey, c'était mon coup final. De l'argent, monnaie, monnaie. Ouais, je prends tout, moi. Alors, on va dégager cette vieille assiette pourrie que j'ai pris. Ah, j'ai des œufs de dragon quand même. Ouais, peut-être que je pense à les remettre ça en place. Bon. J'ai vraiment fait ce que je viens de faire. On va voir si ça rentre dans une urne funéraire. Bien. Ouais, je dis, méditons. Viens à côté de moi. Alors viens voir un peu mon personnage, j'ai complètement oublié ce que j'avais fait comme... Non. Comme Tony, d'accord. Oh. Comment que c'est qu'on grimpe? Là. Bien, bien, bien. Je pense qu'il va nous faire remonter par là-haut. Je ne vois pas d'autre solution sinon. Parce que de là, je n'ai aucun moyen d'aller là. Ok. Et la foi, mon ami, et la foi. En fait, ce qu'essaye de me dire le jeu, c'est que je suis hautement niqué. La clé! Où quelle est la clé? Bonjour. Ben voilà. Regarde ce qu'elle va te mettre, regarde. Headshot! Oh, est-ce que tu peux m'énerver? Monnaie! Putain, 3 d'or. Franchement, toi, tu as de la monnaie, toi. Voilà ce petit piège là, tu le vois ici? Mais c'est comme ça que ça se passe. Du filtre de visée. Oui, bien ce petit coffre, on peut pas le prendre. C'est bon ça. Oui. OK. Toujours des flèches en plus. Oh, saut de l'ange. Voilà. Attends-moi, Lima Lydia, j'arrive. Ouh, on est monnaie. Oh, royal.
Bon, il me reste quelques pics quand même. Bien, voilà qui me rembourse. Monnaie, monnaie. Mais pourquoi elle me pousse comme ça, elle? C'est bien fait pour ta gueule, voilà. Non mais attends. Je comprends bien, à chaque endroit où il y a un Gugus, il y a un fantôme, il y a des Gugus. Enfin là, il y en a beaucoup. Hein. Là, je me fais de la maille à mort. Mais j'ai pas tout fouillé. Oh les mecs! Vous avez pris quoi comme thune là pour venir faire ce temple? C'était prévisible. J'ai plus 30 en résistance de pique. Vide, vide. Bon, tout est vide. Ils ont pas voulu se faire chier. Ok, soit. Toi, je t'ai fouillé. Je vous ai tous fouillé ici. Tiens, pour le swag, on va quand même se mettre... qu'est-ce qu'on a? Vigueur, santé. Un peu de vigueur, va. C'est vous qui avez rentré toutes les boules et qui vous êtes fait cramer en fait, si je comprends bien. C'est trop drôle. Je le sens qu'on y approche tout doucement. Doucement, mais sûrement. J'ai même pas regardé le temps de tournage où on en est. Monnaie, monnaie! Et en plus, t'en as semé par terre. Matin, merci. Là, il semblerait qu'il reste plus que toi. Et nous voilà. Que suis-je bête? Il me faut des flèches qui font très mal.
Oh ah, je l'ai buté. Ah, oh, comment je suis trop là, je me concentre bien, mode wesh t'as vu. Non, il est hors de question, tue-moi. Je l'exige. Allez, encore une. Allez, tu peux le faire. Tu m'as tué ma petite Lydia. Tu ne mourras pas deux fois. Et un headshot dans ta gueule. Et un deuxième headshot dans ta gueule. Et un troisième headshot dans ta gueule. Hop. Alors, cette fois-ci on va pas se faire avoir. Ah, elle fait mal hein. Donc si j'ai compris, toi c'est plutôt les flammes, hein. Oh. The fuck. T'es qui toi? The fuck. Comment il a fait mal ce coup? T'as pas l'impression de me gêner là. Alors rassure-moi, ouais, je suis concentré, hein. Je ne parle pas beaucoup quand je suis. Je le sens mal. Oh, 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 oh. Ah merde, c'est toi. Ah, ils ont encore pas le tuer Malidia quand même. Où qu'elle est? C'en est fait. Le profanateur est tombé. Prends au béclat sur son socle. Où qu'elle est, Malidia? Oh putain, c'est elle! Ah putain! Il l'a réduit en cendres! Ah mais merde! Ah putain, j'y crois pas! J'y crois pas! Je suis dégoûté! Comment elle s'est fait défoncer! Voilà! Toi aussi! Bon bah vas-y, du feu, je peux y aller. C'en est fait. Le profanateur est tombé. Prends au béclat sur son socle. Alors là. Money, money. Bon, je crois que là on est bon. Et voilà. Et voilà.
L'ère quatrième a commencé il y a 200 ans, lorsque Martin s'est sacrifié à sauver le monde de la crise d'Oblivion. Ah, c'était Oblivion. Ah, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre ici? Malcoran a péri. Bah oui, normal. Le repos des défunts de bord de ciel ne sera plus troublé. Tout est en ordre. Grâce à toi. Un nouveau jour se lève. Et tu emportes le message. Prends la puissante Obekla et sers-t'en pour éliminer le mal des ténèbres du monde. Porte-la en mon nom et fais en sorte que mon influence grandisse. Que la lumière de la conviction inspire tes gestes. Où quelle est la mémère? Ah, donc on est passé là tout à l'heure, d'accord. C'est bien foutu, hein. Eh, je veux revoir le monde de là-haut, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? A priori, on a une petite arme sympathique. Elle tape à 20, comparé à ma masse qui tape à 27. 10 points de dégâts de brûlure. Si mort vivant est tué dans l'opération, peut créer une violente explosion qui brûle et tue les morts vivants plus proches. Eh ben, on va se la faire en mode swag. Voilà. Bien équipé, alors. Alors déjà, direct, j'ai entendu qu'il y a... You. Ok. Oh, j'ai mal de ça. Ça fait mal quand même, hein. Bien. Oh, le one shot. Oh, mais t'étais où toi? Oh. J'ai failli retourner pour aller te chercher. Bon. Et ben voilà, pour nous c'est l'heure de se quitter, je vous dis merci, on a une nouvelle épée, on est tout content, on va pouvoir s'éclater, à ciao, bonsoir.